Deuxième vidéo consacrée aux préparatifs de l'enregistrement d'une interview. Après le lieu, intéressons-nous au cadre. Le cadre, c'est tout ce qui apparaît dans l'image. Attention aux marques, aux objets de couleur flashy qui vont attirer le regard. Attention également aux éléments qui peuvent être protégés par un droit d'auteur, tels que peintures, photographies, affiches, sculptures. Attention aux connotations politiques. Avez-vous vraiment envie qu'on voit cette photo de vous serrant la main à telle ou telle personnalité politique? Et sur un plan vie privée, avez-vous envie qu'on voit cette photo de famille avec votre conjoint et vos enfants? Take the photo. Un conseil pratique, le cadre est prêt, la caméra est positionnée, le réalisateur est prêt à démarrer l'enregistrement. Demandez-lui d'enlever toutes les inscriptions qui peuvent apparaître à l'écran et prenez au minimum 2 minutes pour détailler calmement tout ce qui est à l'image. Soyez attentif aux livres dans la bibliothèque derrière la personne filmée. Y a-t-il un livre qui ne devrait pas y figurer? Soyez attentif également aux formes suggestives. Un panneau d'issue de secours apparaît. Il est sans doute possible de le masquer au montage. Mais il est quand même beaucoup plus simple de le masquer ou de modifier le cadre au tournage. Attention aux reflets, en particulier s'il y a des miroirs. Voilà, le lieu a été choisi, le cadre a été composé, vous l'avez validé avec le réalisateur. On peut maintenant passer à l'enregistrement.